Bonsoir à toutes et à tous, ambiance de grand match ce soir dans cette enceinte. Tout est prêt, ne manque plus que maintenant que le coup d'envoi. Et ça sera enfin parti pour vous accompagner votre duo de commentateurs franco-argentins. Et c'est le début de cette UEFA Champions League avec ce premier match de poule et déjà une grosse pression sur les deux équipes, Leipzig contre Manchester City. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. De Leipzig, Orban avec Guardiola en défense centrale, Saverschlager sera épaulé par Campbell au milieu de terrain et donc pour finir cette formation avec deux éléments offensifs. Manchester City, puis avant le but d'Ederson, Aymeric Laporte avec Ruben Dias en défense centrale, Kevin De Bruyne sera accompagné de Rodri au milieu et enfin Erling Haaland seul devant. Et c'est parti dans ce match. Ballon pour Nkunku. La place pour tenter sa chance. Qu'est-ce qu'elle est précieuse cette intervention. Bien joué vraiment. Le ballon pour Forsberg. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Un petit focus là sur celui qui attire tous les regards, c'est Christopher Nkunku. C'est le meilleur buteur du club. Il arrive toujours à se trouver au bon endroit, au bon moment. Il est dans la recherche de l'exactitude pour être toujours décisif. Gundogan avec Jack Grealish. C'est intercepté, City perd la possession. Et c'est donné dans l'espace, en profondeur. Allez, le ballon qui va être rendu à l'adversaire suite à ce hors-jeu, dommage, parce que l'action était intéressante. Un léger manque de coordination, un peu trop de précipitation là-dessus. Ouais, bien joué, la passe pour créer le danger. André Silva reçoit le ballon et le tir part bien. Et la détente d'Ederson pour repousser ce ballon. Ah, il est bien frappé ce corner. Bon, le geste défensif est manqué, le danger reste présent. Ballon pour Nkunku. Attention à ce ballon. Et un arrêt qui fait du bien.
le corner. Bon arrêt, le ballon était pourtant parfaitement placé. Elle partait très bien cette tête, mais c'était sans compter sur le gardien. Le corner bien tiré, ballon mal dégagé, la défense reste en danger. La passe pour André Silva. Ah, le public attend une frappe. Ah, il y a une faute, l'arbitre intervient et le coup franc est dangereux. Le ballon est contré. Forsberg qui reçoit la balle. Encore un tir contré. Il est partout pour prendre l'avantage peut-être. Et quelle parade! Mais le drapeau s'est levé. C'était vraiment magnifique cette parade. Kevin De Bruyne. De Bruyne. Manchester City avec le ballon pour tenter quelque chose. Ah, il met bien son corps en opposition pour conserver cette balle. Haaland repique dans l'axe. Ah, la menace était réelle et la récupération est décisive. On est dans une sorte de possession stérile des deux côtés. Il n'y a que des petites passes. Tic, tic, tic. Aucune passe de pénétration en profondeur. On dirait la promenade du dimanche. Il n'y a pas de rythme. Nous aurons donc droit à 2 minutes de jeu en plus. Et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. Et c'est parti pour la deuxième mi-temps avec ce ballon pour Manchester City. Allez, l'équipe pousse pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Un bon pressing, ce ballon est perdu et ils vont pouvoir se projeter en attaque. J'ai lancé avec ce premier but dans cette rencontre. Tic, tic, tic. On revoit cette séquence de passes rapides pour déstabiliser la défense. C'est ça le tic-tac. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre, mais bon, il fallait être là. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Le ballon pour Haaland. Et maintenant Haaland. Et il remporte son duel, bien défendu. Ah, excellente couverture de balle pour résister à la pression. Alors il y a faute, mais l'arbitre fait signe de continuer, laisse l'avantage. Schlager reçoit la balle. Oh, le tir de loin. Mais bien tenté, bien essayé, mais c'est une frappe pour le gardien. Schlager reçoit la balle. Attention, Nkunku. Et c'est au fond, l'égalisation. Goal!
Qu'elle était dangereuse, cette passe. Vous voyez, la passe vers l'avant, c'est elle qui vient casser les lignes. On voit ensuite la finition côté fermé qui trompe le gardien. Il me semble battu un peu trop facilement sur ce premier poteau. Dans le camp adverse. Bah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Oui, bonne intervention. Le ballon sort en touche. Et changement pour les deux équipes. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Foden. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Saveur. L'équipe part à l'attaque avec évidemment la grosse envie de marquer ce but décisif. Oh, la tentative! But ! Le but dans les derniers instants, dans les dernières minutes, c'est terrible pour l'adversaire. L'impensable, l'impossible, ce qu'on n'aurait jamais imaginé, est bien là avec ce but en toute fin de match. Magnifique cet appareil. L'une d'eux, comme vous dites, c'est une manière de communiquer avec ton coéquipier. Quand tu lui passes le ballon, tu lui dis où tu vas et il te répond. Ensuite, à cette distance, pas mal d'options possibles. La frappe en force, c'est la garantie de surprendre le gardien et ça donne aussi des beaux ralentis. Et ce but est crucial. Il est à quelques minutes de leur offrir la victoire, mais cette fin de match peut encore nous réserver des surprises. 5 minutes encore à jouer dans ce match. City qui y croit encore pour essayer de revenir. Le ballon vers Riyad Mahrez. Oh, la tentative lointaine et très bonne intervention du gardien. Plus beaucoup de temps, mais un bon corner pour peut-être revenir au score. Foden qui s'applique. Non, dégagement manqué et attention, peut-être une nouvelle occasion. Et non, au final, il n'y a pas de danger. Et bien fait, attention à l'occasion. En bonne position pour frapper. Oh, c'est dedans, but! La volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Ça y est, c'est donc terminé. On va en rester là. Premier match dans la compétition et déjà une première course. Le premier match, c'est celui qui donne le rythme pour la suite. Et c'est une grosse surprise de les voir chuter si rapidement. Peut-être un excès de confiance ou une carence dans la préparation. We'll be right back.